Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de l'allure gravissime et le bras de fer tendu entre les colonialistes et leurs valets locaux contre notre cher pays, le Niger. Ces ennemis pleins de l'esprit de mercantilisme qui souhaitent jeter notre patrie dans une situation inadmissible sont à combattre. En outre, nous lançons un vivant appel à toute la population nigérienne de rester unie et mobilisée face à toute situation tendant à déstabiliser ce combat noble commencé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous avons constaté avec regret et amertume que certains de nos politiciens qui se disent leaders sont ceux qui complotent contre nous pour vendre en pièces détachées et nous et notre richesse souterraine. D'après l'analyse faite par les jeunes Nigériens, les résultats sont la traîtrise de certains politiciens nigériens à l'égard des dignes fils nigériens dont nous considérons comme avis de confiance. La malhonnêteté dépourvue de tout sens et leur insouciance de la situation socio-économique précaire dans laquelle se trouve la population nigérienne. Absence de toutes sortes de pensées qui est en concordance à l'humanisme et à l'humain. Non, nous disons non et ça suffit pour cette histoire de France-Afrique. Nous sommes contre la France-Afrique et oui pour l'Afrique aux Africaines. Le mouvement panafricain conduit par les idéologues patriotes de l'Afrique a fait vivre les esprits du sens et de la morale ancestrale, de vaincre face au mal le plus fort et le plus sombre. Cette nouvelle génération laisse s'affirmer qu'elle reste mobilisée au prix du sacrifice et du sang de l'Afrique. L'événement du 26 juillet 2023 met fin à toutes sortes de la démagogie politicienne et se lance par la libération du peuple, car le CNSP est à l'écoute et prêt à répondre aux aspirations du peuple souverain. Désormais, ceux qui demandent à l'ennemi de frapper fort sur notre territoire national, plus précisément sur notre palais présidentiel, juste par crainte d'être arrêté et suivre des sanctions légitimes et légales à la hauteur de leur personnalité, nous les attendons au retour. Et c'est lui qui a affirmé. Et c'est lui qui a affirmé qu'il sait que notre pays ne tiendra pas face à la situation de la crise économique, qu'il souhaite voir le pays, qu'il sache que les Nigériens et les Nigériens l'attendent aussi. En effet, c'est avec une immense joie que nous soutenons le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et lui demandons de continuer sur cet élan suicide tendant à rehausser nos valeurs ancestrales et la restauration de la dignité des Nigériens. Il y a lieu ici de rappeler au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de ne jamais oublier que notre pays a passé 63 ans de la souffrance, 63 ans de calvaire, 63 ans d'exploitation et 63 ans de la torture morale et physique. L'histoire de notre pays n'a aucun goût à entendre ni à savoir. La génération passée a vécu ce triste sort. La génération actuelle le vit, mais nous ne souhaitons pas que nos petits-fils le trouvent. C'est pourquoi il est évident de se sacrifier pour sauver l'avenir. L'objectif ici donne le changement et effacer l'ancienne trace de l'histoire depuis la lutte de libération et l'accession à l'indépendance. Rappelons au passage que notre cher pays, le Niger, est le deuxième pays en Afrique après la Namibie en matière de la richesse souterraine cas de l'uranium, mais dernier en matière du développement. Une situation qui chagrine et qui cuit le cœur des patriotes aguerris. Nous demandons au CNSP de mettre fin à toutes sortes de la corruption et le système de parents, amis et connaissants dans la gestion des affaires publiques ainsi que la politisation d'administration nigérienne. L'un des facteurs qui ont beaucoup contribué à la chute libre et sans demi-mesure de notre pays dans tous les domaines du pays, comme l'éducation, la santé,
la sécurité et le développement, pour ne citer que cela. Ce système doit être remplacé par la promotion du mérite, faisant appel à qualification de la compétence des cadres dans tous les domaines. Sur le plan économique, il est impératif et urgent que le CNSP entre en collaboration avec les grands opérateurs économiques du pays pour trouver une issue de sortir pour cette cherté quotidienne des produits commerciaux qui ne fait qu'augmenter les jours au jour. Nous sommes reconnaissants de la première assise organisée par le CNSP avec les opérateurs économiques et nous souhaitons qu'elle aboutisse à la satisfaction de la noble population nigérienne. Nous lançons ainsi un vibrant appel à l'endroit de tous les dignes fils de ce pays de soutenir le CNSP pour un changement radical et nous interpellons la conscience de ce jeune Nigérien plein d'avenir de se ressentir pour combattre activement l'ennemi juré qui est l'impérialisme sous toutes ses formes. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui le pays fait plus que jamais appel à la solidarité de son peuple. De par les problèmes multiples que traverse notre pays notamment, l'insécurité devient préoccupante à nos populations, surtout la population rurale qui est la plus victime de cette insécurité. Tous ces phénomènes cruciaux font ainsi place à l'enrichissement illicite de certains politiciens, rendant les cadres et les institutions de l'État politisés. Nous avons en souvenir toutes les attaques barbares qui ont donné naissance à bon nombre d'orphelins, de veuves de déplacés, ainsi que des portées disparues. Sans oublier la dernière attaque faite par les ennemis en passant par N'Djamena, une attaque qui a pour objectif de libérer les hyènes sanguinaires de l'Afrique. Et nous, comité régional des structures des jeunes de Tawa, réaffirmons notre ferme engagement et sont prêts à nous sacrifier corps et âme pour soutenir le CNSP, pour soutenir le CNSP dans l'objectif de défendre notre seul et unique pays, le Niger. En conséquence, nous accordons notre soutien indéfectible à cette vision d'une nouvelle démarche qui œuvre pour le changement. Bientôt, au Niger, un nouveau vent de la liberté soufflera. Un nouveau départ et une nouvelle page de l'histoire a déjà commencé depuis le 26 juillet 2023 où les têtes brûlées ont tombé. Nous, comité régional des structures des jeunes pour le soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, apportons notre soutien au CNSP pour leur courage et détermination déprimée sur les aspirations du peuple nigérien. Appelons tous les Nigériens à plus de la solidarité. Dénonçons avec la dernière énergie l'attitude de la CEDEAO, IMOA, l'Union européenne qui pense intervenir de force sur l'espace nigérien. CNSP vive! CNSP vive! Demandons le retrait immédiat et sans condition de toutes les bases militaires étrangères qui freinent notre développement, notamment bases militaires françaises. Demandons l'arrestation de tout individu qui s'oppose à toute action tendant à faire instaurer la bonne gouvernance. Proposons la mise en place d'un système de responsabilité, d'un système de responsabilisation des jeunes à travers la création de structures et sous-structures régionales chargées de sensibiliser la population, surtout rurale, sur la situation qui prévaut et d'appeler à plus de la solidarité entre le peuple pour que la paix règne dans notre pays. Lançons un vif appel à l'endroit de toute la population nigérienne, en particulier les jeunes, de rester unis et mobilisés et accompagner le CNSP dans ce combat noble dont l'unique objectif est la libération politique, économique et culturelle du peuple nigérien. Soutenons avec fermeté l'idée selon laquelle le CNSP qualifie d'ennemi tout frère qui s'associe à un ennemi. Je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler que de l'ombre, la lumière jaillira. Et c'est au milieu du palais de Pharaon que Moïse a été élevé et il a mis fin à son régime anarchique, sanguinaire et démagogique.
Vive le Niger uni et prospère. Vive. Vive le Niger uni et prospère. Vive. Vive le CNSP. Vive le peuple nigérien souverain. Vive le CRJS, le comité régional pour le soutien des jeunes. Le comité régional des structures des jeunes pour le soutien au CNSP. La patrie ou la mort nous vaincront.